Salut tout le monde, c'est Fokov, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve en tout cas sur le deuxième épisode du Let's Play sur Assassin's Creed 3. Donc voilà, déjà premièrement, je tiens à m'excuser pour la simple et bonne raison que dans le premier épisode, à la fin de l'enregistrement, j'ai regardé et j'ai pu observer que je filmais pas en HD mais en 480p, donc ce qui n'est pas de l'HD mais une qualité assez médiocre. Donc voilà, je suis vraiment désolé, j'espère quand même que ça passe assez bien. Mais en tout cas voilà, j'ai réglé la Xbox. J'avais oublié de le faire parce que je suis un joueur PS3. Voilà, vous pouvez être indulgent étant donné qu'en plus c'est mon premier let's play, je sais pas. Enfin voilà, Oh bon, je vais y arriver, bref. On s'en fout, vous avez compris. Alors, on va lancer l'histoire. Fuck off. Donc ouais, ça a sauvegardé. Hein. J'étais pas vraiment sûr que c'est sauvegardé la partie que j'avais fait. Parce que je savais pas si ça sauvegardait automatiquement ou pas. Ouais, je vais arrêter de faire ça parce que j'ai observé que dans l'épisode 1, ça donnait un peu envie de gerber. Je suis vraiment désolé. On va marcher tout simplement. Alors, on m'a dit aussi dans l'épisode 1 en commentaire que je parlais. Des fois, il y avait des blancs dans le commentaire. Bon, faut savoir que parler pendant une heure, bah, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Enfin, pas marre, mais voilà, pendant une heure, on va pas parler non-stop. Ouais, j'allais commencer cette mission, mais ça faisait une heure, donc j'ai arrêté. Hop, on va commencer tout de suite. J'espère qu'il y aura un peu plus d'action que dans le premier épisode. Bon, je pense, hein. On vient d'arriver en Amérique. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire, peut-être? Ou peut-être bien un lit? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui, bien sûr, messieurs Lee et Kenway. C'est ça? Je vais monter vos sacs. Ah. Aurez-vous besoin d'autre chose? Non, qu'on nous laisse. Je vais monter vos sacs et c'est la femme qui s'en occupe. Ok. Pas mal. Ah! Et par ailleurs, j'avais pas regardé, enfin, j'avais pas fait attention. Mais vous aurez pu remarquer, sûrement, que les bandes noires ne sont plus présentes. Donc, bah, apparemment, quand j'ai changé et que j'ai mis en 1080p, ça a aussi enlevé les bandes noires. Donc, tant mieux, remarque. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir. Nous devons partir. Bien sûr. Hop, donc on va aller récupérer les travaux de cette personne. Bon bah allez, c'est parti, ne perdons pas de temps. Ouais, faut descendre. Donc c'est vrai que même moi qui joue, je vois quand même que les graphismes sont quand même pas mal. Hein. Enfin, pas mal comparé à l'épisode d'avant. C'est quand même assez bien fait. Bon, c'est pas non plus... Franchement, honnêtement, je m'attendais à mieux. Mais bon, c'est quand même pas mal fait. Mais voilà, pour être franc, je m'attendais à mieux quand même. Thomas Siki ? Qu'il demande? Etam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir?
je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Ah, et bien enfin de l'action. C'est pas trop tôt. Appuyez sur Y pour tirer. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Yep. Partez avant qu'on se mette en colère. Partez avant qu'on se mette en colère. Et on tire comment? Ok. Je suis pas sûr qu'il faut passer par là. Ouais, si c'est des ennemis. Bon, remarque. Ah. Oups. Putain, comment on fait maintenant? Oh putain, le people! Ah oh, ils se tapent entre eux. Merde. Bon, on va essayer de se taper. Oh. Putain, comment je fais moi pour me barrer? On va essayer d'y aller, de se barrer à la zob. C'était pas une réussite, hein. En arrière! Repliez-vous, abritez-vous à l'intérieur! Et maintenant? Nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez. Ah bah si, apparemment j'ai réussi la mission. J'ai fait plutôt n'importe quoi, mais bon. Appuyez sur Alt pour viser, votre portée sera augmentée. C'est pas ça Alt? Bah si, c'est ça. Bah alors. Mais faites-moi pas chier. Ah mais par terre, j'avais pas vu. Ouais, j'avais pas vu, j'ai cru qu'il fallait tirer sur le tonneau au-dessus du du machin, hein. Ah non, non, je suis con, c'est le truc en bas qu'il faut prendre. Tu pilleras après que nous aurons... Oh là. Stop, pose ton arme. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Tu paries. Je m'impatiente. Moi aussi. Bah, je vais te tuer, écoute, bonhomme. Il cherche à filer. Oh. Il est là-bas.
Et bim. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Hein? Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Excusez-moi. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. En fait, mon ordinateur se met en veille tout seul, du coup, je suis obligé de bourrer la. Bouger la souris. Inutile. Ils le savent. Plusieurs fois pour éviter que. Celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Pour éviter qu'ils se mettent en veille, et du coup, j'ai lancé une vidéo et ça fait un petit peu de bruit. Bon, c'est pas bien grave. Tu es des mercenaires avec une arme à feu. Ok. Ok, ok, ok. Ah d'accord, donc apparemment on va aller je sais pas où là. Nous ne sommes pas seuls. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de ces permis. Aïe. Regardez. On dirait des filles. Hé. Ah, ces cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Ah merde, fallait pas le faire. Allez, oh, pourquoi je peux pas tourner? Ah bah voilà. Je sais pas, mon joystick, on dirait qu'il était bloqué ou je sais pas quoi. Ça m'aurait fait assez chier. Bon. Moi je vais le faire à l'ancienne hein. À l'été. J'ai besoin d'aide par ici. Cesse de pleurer. J'arrive. Bim. Il le défonce. Ah, mais encore du people ici. Hein. Allez, tire. J'ai envie de. Ah ah. Et un petit headshot là. Nickel. Oh, allez. Ces imbéciles n'ont que des couteaux. Rien de bien méchant. Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent. Bah alors. C'est quoi qui t'inquiète, toi? Non, 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 tire pas. Tiens, bonhomme! Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Oh merde! Hey! Voilà! Et on peut pas prendre leurs grandes armes là? Ah ah. Ça m'a quand même l'air mieux ça hein. Allez, tire. Pourquoi il veut pas tirer? Bon bah.
Putain, c'est long à recharger, c'est un truc de malade. Ah ok, j'ai plus de plomb, merde. Je vais essayer d'en ramasser sur le cadavre. Merde, putain, mais c'est chiant. Tiens. Putain, c'est chiant tout le temps devoir recharger là. Allez, les gars. Ah, après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service. Bah écoute, tu en parles à lui, hein, pas à moi, moi je m'en fous. Et ça fait déjà un petit quart d'heure de vidéo. Voilà votre coffre. Merci, Aster Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Kanyengahaga. Pouvez-vous... Ah bah si c'est d'origine Kanyengahaga, on est servi, hein. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Ouais, ben bah, attelle-toi aussi. Quoi? Prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici. En gros, tu pues. La course de Johnson, séquence 2. Bon allez, on fait quoi là? Master Kenway. Allez, lancez une mission. Bonsoir messieurs. Charmant. Sympathique. Bon, allons, il est plutôt attachant. Hé hey, Catherine, au travail. Viens par ici. Perce-moi un peu à boire. Le mec est complètement pété, quoi. Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Tu feras gaffe aux bergères parce que tu vas te faire violer. Où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo, Charles. Allez hop, c'est parti. N'attendons plus. On peut pas accélérer un petit peu là dans les bâtiments parce que... C'est pas que je suis lent, mais un petit peu quoi. Allez hop. Le chirurgien. Oh bah vas-y, enfonce la porte pendant qu'il est... Et voilà. Je suis pas trop fort quoi. Charles. Charles. Ce ne sont pas des manières. J'ai l'impression que... Ah ouais, d'accord. On va chercher monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Viens.
Je vais te montrer. Je sais pas ce qu'il va lui montrer, mais... Espionner les voisins de Ben Church depuis une cachette. Ah, ok. Allez, je suis lent. Comment ça se fait que je suis lent, là? Je peux pas du tout courir. Peut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Ah, ok. En gros, on doit s'approcher, mais pas trop pour... Quoi, toi? Le chien... Placez-vous entre deux citoyens. Ouais, je veux bien, mais qui? Échec. Mais... Ok, bon. Mon premier échec. Allez, mais c'est chiant. Eh, ça m'énerve, c'est que je puisse pas courir. Honnêtement, ça va peut-être bien me gaver. Force royale et française dans les contrées de l'Ohio. Faut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos affaires. Si vous aviez vu ça, il devait être sous pour se conduire comme ça. Et en plein jour, en plus. Donc là, ouais, ils vont me repérer. Connaissez-vous cela signifie que si vous soupçonnez de ne pas remplir lien rouge. Ok. Le commandant français de Dumontville a été tué lors de l'affrontement entre forces royales et françaises dans les conduites scandaleuses pour un homme premier de. Ouais, ok. Mais c'est pas sa vie à faire la noce. Le Boston Weekly a. Mais c'est dingue les chiens. Les parents d'un jeune homme. Qu'il balade comme ça et tout. Sa recherche, avant que sa réputation n'en soit irrémédiablement souillée. Ils sont partis au nord-est, sans doute à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Ok, allez, c'est parti. Ah bah enfin, je peux courir. Enfin, t'as retrouvé tes jambes, c'est bien. Je sais pas, ouais, si, je pense que ça doit être un assassin, Master Kenway, là, mais... Oh, c'est bien fait, ça, oh. Mais ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre, parce qu'il a pas du tout la tenue d'un assassin et tout. Donc ouais, ça me paraît un petit peu chum, quoi. Allez, hop. Merde. C'est qui me regarde? Ah, fais chier. Y'a pas des bottes de paille là pour sauter? Ah, bah quoi que c'est bon, il s'en fout. Bon, bah comme ça, c'est fait. Wow. Ah, ok, mais j'ai cru qu'il voulait juste prendre de la hauteur sur une maison, mais non, lui il veut bien son petit clocher et tout, lui c'est un malade. Merde. Bah je peux même pas... Merde. Il y a des gardes partout ou quoi? Bon ça, son indicateur il redescend un peu. Mais ouais, ça va être embêtant. S'il y a tout le monde qui me voit... Ouais bah là t'as bien de la hauteur gars, hein, tu vas pas me saouler. Genre il arrive à tenir en équilibre là-dessus. Oh bah. Et debout en plus hein. Je suis le roi du monde. Il suffit de tendre l'oreille. Appuie sur RT. L'un de ceux qui est arrivé à Mr. Church. Plus A et oriente L dans une durée. Oh merde. Bon, là si je suis pas mort. Eh hey, mais j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, RT, A, et... Ah, je crois que je me suis trompé de bouton en fait.
stupide, stupide. Avec un peu de chance, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mister. Tu veux pas que je remonte tout en haut? Ah bah non, apparemment faut que. Ah mais faut que j'aille voir. Je vais aller voir ce que c'est les points orange là. Vos articulations vont souffrir, vos oreilles saignent, vos pieds sont gonflés et tuméfiés. Une pommade peut régler tous ces maux. Le pur extrait de Python de Montgomery. Essayez de vous rappeler. Qu'est-ce que c'est que tu auras vu? Facile à dire. Je viens de voir mourir l'un de mes amis. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Non, quatre. Tous de réputation douteuse. Aïe, oh, tu veux quoi, toi? Il était inconscient. C'est idiot. A offert son aide. Et ils l'ont égorgé. Mais recule pas. Comme si de rien n'était. Merde, je vais me faire repérer, bravo. Moi? T'es sûr? Pas moi. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce quartier. Tu as raison. Les rues brûlent de voleurs, etc. Ah mais merde, oh. Oh, 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 on va se calmer, on va se calmer. Le mec, c'est un Iron Man. Chaud. Ça fait comme dans GTA en fait, je pense. Ah bah non. Non mais là ils vont me tirer. Oh putain, je fais quoi moi? Ah! Ouais, c'est ça mon gars! Putain! Allez, on fait les fous. Mais je pense qu'ils vont me tirer dessus, hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Remarque, peut-être que au moins là, je vais pouvoir les semer. Putain, mais je fais comment moi? Oh. Je pense qu'il faut que je les bute tous. Hein. Une proie bien lente aujourd'hui. Aïe. Mais. Mais putain, j'arrive pas. Mais prends ton arme, trop de balles! Ah enfin. Oh. Mais putain, mais ah, ça m'énerve, c'est que j'arrive pas. Putain, mais il se barre tout le temps, c'est pas possible. C'est un truc de malade, c'est qu'en fait, voilà, voilà, je me rebarre. Merde. Il y a trop de monde quoi. Je
atroce massacre que je fais. Ouais, je commence à être dans le rouge. Bon alors, c'est bon là ou bien? Non mais... Putain! Mais il me fait chier lui, oh! Enfin, putain! Merde, sauf que je crois qu'il faut les suivre. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Certainement rien de bon. Cutter était avec eux. Ils doivent chercher un endroit tranquille pour leur méfait. D'après ce qu'on dit, quand Cutter travaille, les gens tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. Eh, j'ai vraiment du mal, hein. Putain. Mais oui, carte. Je crois que je comprends rien du tout en fait. Espagnol, car ce soir, il y a un mouvement. Ah bah ok. Ouais, putain, comment je galère là honnêtement. Mais putain, pourquoi? Ça me gave honnêtement. Bon, ça va, heureusement, ils sont nuls, quoi. Pourtant, je fais bien ce qu'il faut. Je me mets entre deux personnes quand je sais pas quoi, là. Bon, en même temps, faut que j'arrête d'arriver par les toits parce que ça attire tout le monde, quoi. Mais putain, mais oui, mais il n'y a pas de passage aussi. Ah, apparemment, ils sont là. Essayez de vous rappeler. Facile à dire. Je viens de voir mourir l'un de mes amis. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. Ils étaient trois. Non, quatre. Tous de réputation douteuse. Ils emportaient un cinquième. Il était inconscient. Thomas, Dieu, a offert son aide. Ils l'ont égorgé et puis... Ils sont partis comme si de rien n'était. Comme si c'était... Par où sont-ils partis? Ils me font chier, les gamins, à gueuler, là. J'essayais d'arrêter le flot de sang. Allons, tâchez de vous rappeler. Par là. Je crois. Mais je l'ai pas manqué, l'espionnage! Putain! Ça m'énerve! Michael! Ouais, honnêtement, là, ça commence à m'énerver. Je comprends vraiment pas comment faire, en fait. Je le fais, leur espionnage. Putain, et arrête de prendre tous les trucs, toi. Mais oh, arrête de monter sur tout ce que tu vois. Mais il va me faire aller où, lui? Oh putain, mais où je suis parti? Oh là là. Ça me gave. Et... Oh putain. Je vois l'indicateur, j'y vais, il... Putain, il disparaît.
con ou quoi? J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça va me gaver. Hein. Mais y a même pas d'indicateur! Putain! Ça fait déjà 35 minutes de vidéo, on a fait quasiment que dalle. Oh mais. Y a une couille là-haut, putain! Aitam a été envoyé dans les colonies Mankind pour recruter des alliés et découvrir une cité cachée de la première civilisation. Bah oui, bah c'est bien, mais... Objectif optionnel. Espionnage réussi. Bah alors, qu'est-ce que tu me saoules? Oh là là. Mission messager. Mais moi je m'en fous de ton truc messager. Objectif principal, espionner d'autres conversations pour retrouver Church. Espionner la conversation d'un groupe de gardes en mouvement. Ne manquez pas un seul espionnage. Mais je m'en fous de ça à la rigueur. Je sais même pas où faut aller. Je suis paumé. Ça m'énerve, ça m'énerve. Putain. Ah bah voilà, un point. Tu vois, j'ai réchoué l'espionnage, je vois pas ce qu'il faut faire de toute façon. Ça me gave. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce quartier. Tu as raison. Les rues grouillent de voleurs et de scélérats. J'en ai croisé quelques-uns, pas plus tard qu'aujourd'hui. Vraiment? Ça s'est passé près de l'église. Un groupe d'hommes est arrivé en courant et soudain, l'un d'eux est tombé à terre. Il était blessé. J'ai voulu vérifier s'il avait besoin d'aide, mais les regards qu'on m'a lancés m'en ont vite dissuadé. Estime-toi heureux. Il y a des gens avec lesquels il vaut mieux garder ses distances, crois-moi. Bon bah voilà, je les ai espionnés. Tu vois, Charles, nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur, où avez-vous appris tout ça? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Ouais, bon, bref. C'est bon, donc là, j'ai fini, non? Elle transforme nos sens. Et elle change notre regard. Oh, on va se calmer. Prudence. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Oh, c'est bon, je suis pas dans un truc. Dans une zone non autorisée. Et voilà, et voilà. Merde. Bon, au moins, ils sont nuls et ils sont simples à abattre. D'accord, donc là je dois m'introduire dans le machin sans qu'on me voit. Enfin, je crois, hein. Et il est compliqué, j'ai l'impression, je. Oh. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais. Il me suit au moins ou pas? Il est où ce trou? Ouais, mais il monte même pas, quoi. Pas si c'est. Je vais essayer de sauter, mais bon. Vite par toi, par toi, par toi. Et en fait, moi je passe par les toits, je me fais pas repérer. Et lui il passe comme un bourrin. Par les rues, donc il attire tout le monde. Fermé. En fait. Je dois trouver cette clé. Reste ici.
Mais il va enfoncer la porte, lui, comme d'hab. Ah bah non, même pas. Au pire, je le tue et je le fouille après. Non, tombe pas à l'eau par contre, ça m'arrangerait. Oh fuck! Je fais comment moi maintenant? Putain, bah faut espérer que c'était pas lui qui avait. Bon bah c'est mort. Faut espérer que ce soit pas lui qui avait les... la clé quoi. Apparemment il y en a un en haut. Quoi, rapprochez-vous de la cible. Ah nickel. Nickel. Allez, tire! Oh! Mais qu'est-ce qu'il attend? Oh putain, ça m'énerve! Oh, mais j'appuie, hein! J'appuie, mais non. Non, bah non. Putain. Oh le con. Putain. Je sais pas pourquoi il a pas voulu tirer, c'est trop de balles. Et alors, casse-toi pas la tronche, toi. Hein. Non! Putain, faut que j'essaye de l'emmener sur le plat au moins. Il devrait pas tomber. Nickel. Allez, putain. Voilà. J'en demandais pas. Hop là. Maintenant, je le fouille. Eh hey, mais je m'en fous de ce corps là moi putain. Oh la galère. Hop, ça c'est fait, faudrait que je fasse pareil. Voilà. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Il est séduisé. Tenez bon. Ok, bon. Toi, tombe. Hein. Allez, la clé. On va le réussir. Nickel, bonhomme. Bon, ça, ça s'est bien déroulé. Au moins quelque chose qui se déroule bien dans cet épisode. Eh oh. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Oh, il est bien amoché, hein. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si je lui coupais les mains? Ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Et si je le faisais à toi? Je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Oh, attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas.
Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Bon, bah, espérons que j'arrive à temps, hein. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cutter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends? J'aurai ta tête! Non. Cela m'étonnerait fort. Donc là, on va aller le tuer. D'avoir élevé un sauvage comme toi. Tais-toi! Il faut que je laisse venir l'inspiration. Tiens-toi tranquille. Il faut que je décide. Je peux pas les buter les deux en même temps, là, comme dans le 2. Un dans chaque main. Par là, je vais me faire de jolis souvenirs. Oh merde, il est mort. Chier. Connard. Bon, au pire, j'y vais, je prends mon flingue et je le tue, comme ça. On se fait pas chier. Enfin, je tue pas. Merde. Je tue pas. Mais j'ai rien fait. Oh, j'ai changé d'arme, c'est tout. Oh là là, non mais le délire. Putain, la merde. Tiens, Tarlouze. Ah bah voilà, là ça s'est bien déroulé. Qui êtes-vous? Etam Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Oh, il s'est pris un coup de couteau dans le nez. Suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout. Mais ben, heureusement qu'on était là, hein. Me faire couper les... les mains et la langue, je... Perso, moi, ça m'intéresse pas trop, après... Chacun son kiff. Eh ouais, oh, calme-toi. Eh mais oh, barrez-vous, tu veux quoi, toi? Putain, je vais le niquer, lui. Tarlouze. Ouais, bon, j'ai peut-être le temps de refaire une mission, il reste 10 minutes. Je verrai. Mais bon, si j'ai un sauvegarde, un point de sauvegarde, j'arrêterai la vidéo là, ça ira. Ça fait une petite heure. Eh ben, ça aurait été beaucoup plus galère que le premier épisode, hein. Oh, il s'est recousu le nez lui-même. Fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage. Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ces... Ça doit faire mal, ce recoup de le nez. Je dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves. Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Southgate. Il va falloir... Eh ben, laissez-moi y réfléchir. Je suis crevé, moi. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pickern. Je sais où le trouver. Comme je règle quelques trucs. C'est bon. Ouais, je sais pas si ça a sauvegardé. Bon, allez, on va lancer la mission, soyons fous. Qu'est-ce que vous faire ici? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Vous allez vous faire péter la tronche. Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock, quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Bah, j'aimerais pas avoir
tous ces soldats à mon cul, hein. C'est moi qui te le dis donc. Picard, le pauvre imbécile. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Ok. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh, mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Étame. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. Ok. Je sais pas ce qu'on va devoir faire. Peut-être le libérer ou je ne sais pas. Dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Père, enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Ah, j'ai pas compris. Je sais pas s'il faut que je tire sur quelqu'un ou pas. Où peut-on aller? Pourquoi pas à Marlboro? Non. Les habits... Alors Lynn ou Ship Street? Oui. Suivez la patrouille de... Ah, oh putain. Allez, mais avancez aussi, oh. Voilà. Oh putain. Merde, putain, le salopio. Il est chaud quand même comme jeu. Le 2, j'étais un gamin, je l'ai fait easy money. Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Mais je suis pas détecté, arrête de me faire chier. Mais j'en ai marre, je vais les défoncer. Putain, non mais c'est hallucinant quoi, je suis pas détecté. Je parle à un marchand, j'achète mon poisson et tout. Enlevez Monsieur Pitcairn. Putain. Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention. Pas trop que je m'approche, pas trop que je m'éloigne. Putain. Diplomatique, plus engagé.
pas à Marlboro. Alors ligne ou Ship Street? Merde, putain, mais c'est un truc de malade. Oh oui. Mais tu sais quoi, j'ai tout le temps resté derrière le gars en bleu, là. Là, il s'arrête. Mais regarde, je suis... Putain, à peine je m'approche, je suis déjà détecté, quoi. C'est vraiment un truc de malade, hein. J'espère qu'ils vont pas se déplacer pendant je sais pas combien de temps, sinon je suis pas dans la merde. Ouais, c'est bon, arrête de prendre tes... Je sais pas ce que c'est que ce décompte. Foiré. Attrapez-le ! Et maintenant, je dois faire quoi maintenant ? Suivez Lee et tendre une embuscade à la patrouille de Bork. Ah, ok. Lâche-le, Edward. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Bah c'est bien. Passez-leur tous les fers. Ok, vas-y. En garde. Duel. Merde. En fait, je branche, mais je vois rien en fait. Eh, hey, mais je gueule. Putain. Tiens, toi. Ah, là, j'ai plutôt pas mal. Ah non, ça va. Ça s'est bien déroulé. Souvenir du temps où nous étions frères. Avant que nous sombrions si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras... Comme j'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront. Ouais, parle. Bon, bah, c'est vrai que ça aurait été un épisode assez galère. Hop, donc ça a sauvegardé. Et on vient au même point que la dernière fois, ouais. Hop, 50... Enfin, une heure pile. C'est vrai que ça aurait été un épisode assez galère. Intéressant, oui et non, je suis vraiment désolé. J'ai assez peiné à faire l'émission pour dire vrai. Ça va être un jeu sûrement compliqué, je pense. Mais bon. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis bah voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.